Hey, salut à toutes et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien. On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16, la suite de notre carrière avec l'Atlético de Madrid. Donc aujourd'hui, on est en plein poste. J'ai vu parcourir les postes, donc voilà. En pleine période de transfert. Donc, ce qu'il faut mettre, c'est qu'on doit vendre des joueurs. Donc on va. Miranda, voilà, hop. Rappeler son prêt. Voilà, donc on va mettre ajouter à la liste des transferts. Ok, parce qu'il peut apporter Dilavogui. Il est en prêt également. Manquillo qui est en prêt également à l'Olympique de Marseille. On a beaucoup de joueurs prêtés. Donc en fait, il faudrait réussir à vendre Torres. Non, c'est Oliver ça, donc. Quoi, Savic. Alors. Récemment arrivé de. Ajouter à la liste des transferts. Frais de libération trop élevé, d'accord. Bon, bref. On va les mettre sur la liste comme ça. Donc, j'ai vu qu'on m'avait proposé Thiago Alcantara, Granit Xhaka, Arturo Vidal, et Ander Herrera, ça je l'avais dit. Et on m'a proposé aussi Alexis Sanchez. Donc ça peut être vraiment un trop très très bon choix. En tout cas, on va laisser cette équipe. Non, on va pas laisser cette équipe. Carrasco, je suis désolé, il est bon, mais on va mettre Koke. On va mettre Miranda, de toute façon, je l'ai mis sur la liste des transferts. Ouais. Godin, compagnie, ouais, parce que Godin, je sais pas, aujourd'hui il m'inspire pas, Diego Godin. Savic par contre, il m'énerve un petit peu. Vieto, ben voilà, je pense qu'on va partir comme ça les gars, j'espère en tout cas que ça ira. On est parti contre l'Emante, c'est une coupe en plus, hein, donc il faut vraiment gagner le match. On n'a pas le choix, on va peut-être aller au tir au but, voilà, ça va être un petit peu long. Mais bon. Oh non, je suis sorti des limites du terrain. Allez, on est parti. On joue chez nous. A Vicente Calderon, voilà. Il faut faire plaisir à notre public. On est parti, les gars, pour ce match. Felipe Luis, il faut que tu reviennes. Et le but, le premier but pour les Levante. Et on est potentiellement éliminé de cette Coupe d'Espagne. Allez Koke, il est parti directement. Bien joué. Et l'égalisation d'Oliver Torres juste derrière. Magnifique Oliver Torres qui a troué le gardien. C'est Oliver Torres, il me semble ça. Voilà, ouais, Oliver Torres, bien joué mon gars, t'as bien joué. On voit Koke qui fait son festival là-bas. Il délivre un caviar et derrière, hop, il frappe. Et ça troue le gardien de Levante. Réaction très rapide de l'Atlético. Seulement 2 minutes après, il faut continuer sur ce rythme. Mi-temps, voilà. Mi-temps donc un partout. Première période assez mitigée. Je ne sais pas s'il y a match aller, match retour en fait. Donc, faut de toute façon gagner le match ou faire match nul. Hein. Oh, la tête de compagnie, l'arrêt du gardien. Vincent Compagnie qui avait mis le coup là. On le revoit. Je sais pas si elle partait. Je pense qu'elle sortait quand même. Allez, le corner là. Le gardien qui a fait une sortie un peu étrange. Allez, bon, allez. Oh là là. Fin du match. Égalité. Ah, bon, d'accord. Ben, y aura un match retour alors. C'est étonnant ce match. Honnêtement, je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, pas top. Donc on va un petit peu avancer. Allez, proposition de transfert, c'est pour qui? Non mais Griezmann, il faut arrêter les gars avec Griezmann. À 96 000 j'accepte, ok. Qui est le prochain? On a dit 96, donc alors mais 92, c'est leur. On a plus d'argent en plus, c'est un truc de fou quoi. Joueur blessé.
4 semaines. Allez, Miranda, direct, il est blessé. Entraîneur adjoint. Bon. Par contre, ouais, il faudrait... Ah, il faut que je vende quelqu'un, c'est obligé, les gars. Si vous voulez que je vende, sans déconner. Chachi. D'accord. Ils sont prêtés. Ah, mais d'accord, il est prêté. Ouais, bah, Fernando Torres, on va le terminer, hein. Hop. Savic, est-ce qu'on l'a mis sur le marché des transferts? D'accord, ma rêve. Hop. Ajouter à la liste des transferts. Ok. Espero. Gamez. Martinez. Hop, on va le mettre sur la liste des transferts, Martinez, parce qu'honnêtement, je trouve qu'il a fait une saison très très mauvaise pour l'instant avec nous. Donc Martinez, honnêtement, je veux pas le voir. Recruteur, ouais, pourtant là il y a des bons trucs. Hogan, là, il a l'air fort, Hogan. Ah, mais c'est un défenseur central, on en a pas besoin. Wallace non plus. Ah, il faut vraiment un milieu centre, donc ouais. Proposition de transfert, encore une offre. Ah, pour qui? Jiménez. Hop, à 18 millions, excusez-moi, à 18 000, il partirait pas. Donc, prêt à arriver à expiration. D'accord, donc. Torres doit encore signer un contrat à long terme avec le club. Nous pouvons proposer et cela pourrait persuader son club. Donc non. D'accord. Demande de prêt rejetée. Nous avons étudié, on devra et nous sommes au regret de continuer de rejeter. Nous cherchons pas prêter Herrera pour le moment. D'accord. Donc on s'était renseigné sur Herrera, il me semble. Ouais. Par contre, on est le 15 janvier, les gars. Et nous estimons qu'il ne vaut pas autant. Bah, c'est normal, il vaut pas autant. Non, mais sans rire, quoi. Il est passé à 86, notre ami compagnie. C'est bien. Donc, on va aller chercher un petit joueur. Alcantara, on m'avait dit. On va voir Alcantara, quand même. Non, d'accord, en fait je crois qu'il s'appelle Thiago, donc ouais, non mais c'est Thiago Alcantara, mais... Here we go. Bon, alors on va mettre nationalité espagnole. Ok. Donc ligue, c'est Bundesliga. Équipe, c'est le Bayern de Munich. Voilà, Thiago, c'est comme ça. Bref, on va s'approcher pour un achat. Il vaut combien? Ah ouais, 30 millions, c'est chaud quand même, les gars. On n'a pas d'argent, c'est ça le problème, quoi. Moi je veux bien, mais si on n'a pas d'argent, les gars, comment on fait? Bon, on va... ça va pas être top sans cette période de transfert. La moitié de la saison déjà, et c'est vraiment chaud. Donc on est parti pour jouer face à Celta Vigo. On va laisser cette équipe. Voilà, je pense qu'elle est pas mal, cette équipe. Elle est assez compétitive dans tous les cas, hein. Donc bon, on va voir. Ça, c'est toujours le truc que je n'ai pas compris. Donc on est parti, les gars, pour ce match contre Celta Vigo. C'est parti. Et le but, voilà le but, déjà, c'est le Celta Vigo. Ça commence à être une crise, là, l'Atlético Madrid. Allez, le 2-0. Oh là là, mais on est très très mauvais sur ce match. C'est en train de m'énerver, sérieusement, là.
Bah allez, c'est fini. Première mi-temps très catastrophique. C'est même pas catastrophique. Là, c'est incroyable d'être aussi mauvais. 2-0. Et on va prendre une défaite là. On va finir combien? On va finir 18ème, non? Possible. C'est le mode champion qui nous réussit pas, je veux bien, mais bon, quand même, il y a un mode pro, on gagnait tous les matchs facilement. Allez, un troisième but, mais c'est pas possible! Oh là là, mais... Voilà, un but, quand même, avec du bol, mais c'est qui le met? C'est Carrasco, celui-là! C'est même pas la peine que tu sois content d'avoir mis ton but, mon gars. Vous êtes pitoyable, les gars. Ah, c'est incroyable, quoi. Il faut une erreur du gardien pour mettre un but, quoi. Normalement, on devrait pas. Normalement, on devrait les mettre, les buts. 3-1. Ça devient pitoyable, là, les gars, ce qu'on fait. Allez, un quatrième but, normal. C'était vraiment le match de trop, celui-là. Voilà, fin du match. On prend 4-1, les gars, hein. On prend 4-1 mine de rien. C'est vraiment très très dur. Gros coup dur. 4-1, ça me fait vraiment très très mal. Mentalement. Gros coup au moral. Le match retour en coupe en plus. Bon, Griezmann. Arrière centro. Bon, Oliver Torres, il va bientôt passer à 80. Ça, c'est vraiment positif pour lui, mais bon. De notre côté, le gars fait rien, quoi. C'est. Enfin, si, quand même, il est bon. Bah, ils sont bons, mais c'est. Ouais, c'est que je suis vraiment. Honnêtement, je suis énervé. C'est. Ça m'énerve. J'ai envie de les faire progresser. J'ai envie de faire vraiment progresser le groupe. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune progression. Donc, voilà. Il est passé à 81. Griezmann, bientôt 86. Godin, il va peut-être passer à 87, les gars. Ça peut être vraiment énorme. Hein. On peut vraiment se faire une équipe de fou. Bah, allez, j'ai envie d'avoir une offre. Offre pour le poste de sélectionneur. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire en Autriche, quoi? Rejeter l'offre. Eh ben oui. Un truc sur Venezuela, je ne vais pas y aller non plus. Proposition de transfert. Nous avons le prix d'appel de 18 000 et nous avons décidé de nous aligner dessus. Voilà, Leicester qui va nous acheter Sikir. Non, c'est Jiménez. Pas mal, pas mal du tout. Juste aller voir les gars s'il n'y a pas moyen de calmer. Pas eu de. Est-ce qu'on a de l'argent ou pas? On va aller voir. De toute façon. Ah, on a un message. Le retour du blessé. C'est qui revient? Oh, Jackson Martinez. Oh oui, il revient, Jackson Martinez. Donc les gars, on va faire une nouvelle gestion d'équipe. Je pense que ça, il y en a vraiment besoin. Donc dispositif, celui-là. De toute façon, il faut deux buteurs. Donc, si on met... Bah non, désolé mon gars, je peux pas rejoindre ta partie. Donc si on met ça, regardez. Hop. Martinez. Carrasco, de toute façon, on va le mettre sur le banc. À la place 2. Correa, d'accord. Ok, ok. Coquet là. Coquet ici. Hop. Là, voilà. Là, ça peut être une équipe de fou. De fou, les gars. Ouais, mais Vietto. On va mettre Vietto pour ce match. Car Martinez, J'ai peur pour Jackson. Attention, on va jouer contre Levante. Le match retour, les gars, là, faut le gagner.
celui-là faut le gagner. Un champion, c'est important. C'est un... J'ai pas envie de me prendre un coup dans, la... dans le dos, donc désolé, je les mets en jaune. C'est pas top de les mettre en jaune, mais bon. Donc ouais, sinon on pourrait rien me décer, mais si on s'aligne tout. On peut essayer Diarra, mais Diarra en fait ça m'étonnerait vraiment qu'il passe. Bah allez, on est parti. Score du match aller un partout. On s'en rappelle les gars. Et là on est parti. De toute façon, on fera rentrer Jackson Martin. Voilà, excusez-moi. Donc on est parti pour ce match. Oh non, le but direct. Levante qui ouvre le score 1-0. Et ben, on est bien parti hein. On est bien parti dans ce match. Savic, son profil ne m'intéresse pas. Et le 2-0. Le 2-0. Oh là 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 là. Ils sont forts les Vantés. On fait comme là. Voilà, mi-temps. 2-0. Et on est très très mal embarqué pour l'instant. Ils ont la possession. Ils sont monstrueux niveau possession de balle. Alors, 3 épisodes. 2 peut-être. Voilà, et un troisième but. Mais c'est pas possible. J'ai envie d'abandonner le match, les gars. Là, qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on fait, les gars? C'est quoi cette équipe quoi? Allez tiens voilà, hop, faute, carton rouge. C'est un tac d'énervement ça. Ça c'est un tac d'énervement. Et carton rouge normal, hein, normal. Bah oui normal mon gars, t'as pas à te justifier. Allez, 5-4-0. Ouais. Tiens voilà, je te le donne le ballon. Oh. Allez voilà c'est fini. 4-0 sur ce match. On est éliminé sans blague. Non mais c'est pas possible les gars. Honnêtement je sais pas quoi faire. Est-ce que j'arrête le mode champion? Est-ce que je continue pour me faire démonter? J'en sais rien. Maintenant là c'est... Ça devient vraiment problématique quoi. Ça fait je sais pas combien de matchs qu'on n'a pas gagné. Regardez. On a 5 points de retard maintenant. Voilà 5 points de retard. Donc si on gagne, on en aura 2. Joueur vendu. Dotation compétition. D'accord, bon. Bon allez, donc on reprend. Qu'est-ce qu'on va aller acheter? Finance. Niveau finance, donc on peut partir sur ça. Ok, on a pas fait, je l'ai pas fait. Ok, sachant que c'est ça, accepter cette répartition. Donc on va s'informer de. Chercher joueur, donc on va aller voir à combien il est. Thiago Alcantara, approcher Bayern pour achat. Donc on va acheter. Ouais, donc on lui propose 22 millions. On va voir ce que ça peut faire. On va aller voir comment il s'appelle, Sanchez. Ok, bon lui je pense que c'est pour prêt. Voilà, hop. On va aller voir. Bon, on peut pas. De toute façon, c'est en train de gaver les transferts là. Parce que je pense qu'on va avoir personne une nouvelle fois. Donc, allez, on va passer un petit peu. C'est qu'on a vendu. Thiago.
Oui, non, mais là, ça, c'est possible, là, c'est vraiment pas possible. Joueur vendu. What? On a vendu un plein de Griezmann. 92 000, ils ont accepté, mais ils sont botch. Ah, bah là, pour le coup, on va se faire plaisir. Ah, là, je me fais plaisir, les gars. Là, déjà, Sanchez, on va lui proposer une offre. Pour achat, je vous propose 45 millions. Il n'y a pas de sous-sail, mon gars. Pas de sous-sail. Un milieu centre. Peut-être un buteur, quand même. Ouais, mais un buteur, qui c'est qu'on pourrait prendre? En buteur, qui c'est qu'il y a? Qui c'est qu'il y a vraiment, qui est vraiment très très fort comme buteur? Je ne sais pas du tout, les gars. Je réfléchis à mon buteur parce que, mine de rien, on a l'autre là, on a Jackson Martinez. Mais il nous faut jouer un deuxième buteur. Lewandowski, tiens, il coûte combien? Lewandowski. On sait Robert. Pour achat. Combien il coûte? Si on lui propose 53. Est-ce que vous pensez qu'il acceptera Robert Lewandowski? Enfin, c'est pas Robert Lewandowski en particulier, mais c'est vraiment le club. Pour le coup, on a vendu donc Antoine Griezmann. Ça c'est bizarre. Ça c'est. Donc déjà, on va l'annuler. Las Palmas. Ah d'accord, non, d'accord, ouais, c'est cool. J'ai un petit milieu de match quand même. Hein. Un billetteur là, truc machin. Ok, bon, on va faire ça. Oui. J'ai envie de simuler le match, les gars. Je sais pas ce qu'on fait. Enfin, on va jouer quand même. On va jouer. On va pas faire n'importe quoi. On va aller jouer ce match face à Las Palmas. Ça va nous rappeler des souvenirs. Jackson Martinez, par contre, il faut pas faire n'importe quoi. Donc, on joue en champion. C'est parfait pour tripler une nouvelle fois. Par contre, la pluie, c'est en train de m'énerver, les gars. Je vous le dis. Parce qu'il joue quasiment tous les matchs et ça devient vraiment problématique. Par contre, celui-là, faut le gagner. On avait gagné face à l'Alpamas dès le début de notre saison. Donc là, on est vraiment en retour. On est chez eux. On va gagner le match ou pas. En tout cas, c'est parti sans entendre. Le but directement, le but dès le début, Jackson Martinez, voilà les gars, pourquoi il fallait remettre Jackson Martinez. En fait, il est fort, Martinez, bien joué. On est parti directement comme des fusées et là c'est parti, il faut gagner ce match très très important. Oliver Torres et le 2-0, voilà, enfin le 2-0, on l'attendait, il fallait qu'il vienne ce 2-0, et voilà, Oliver Torres, très très bien joué, mon Oliver Torres, voilà, Felipe Luis est content aussi, c'est le dernier match, il me semble, de cette vidéo, de toute façon, Mahrez, je sais que tu peux nous faire un truc, mon gars, voilà, ah, dommage, la mi-temps, Mahrez avait la possibilité de faire quelque chose. Voilà, on voit qu'on domine, hein. 9 frappes à 0. Honnêtement, le mode champion, là, j'ai l'impression qu'on a réussi. Hein. La défaite 5-0, je pense qu'elle nous a servi de leçon. C'était peut-être Antoine Griezmann, le point faible. Non, je déconne, les gars. Antoine Griezmann, il était monstrueux. On l'a perdu, mais on a gagné 92 millions. Je pense qu'on peut largement s'acheter Robert Lewandowski. La faute, non, peut-être, oui. Faute et ça fait penalty et carton rouge d'ailleurs. Balle de 3-0. On va la tenter avec Riyad Mahrez. Un très très bon tireur de. Oh non, on se le fait arrêter en plus. La frappe de Martinez et le but. Peut-être mettre la goal line technology là parce que Martinez, je sais pas, ouais, il rentre, il est accepté par l'arbitre. On va revoir ce frappe de Jackson Martinez. En tout cas, Torres sur le côté qui a été magistral, petit dribble derrière. Oui, elle est rentrée.
Mais elle est ressortie direct. Hein. Il a mis une bourrine. Jackson Martinez. Ça lui a fait du bien la blessure, j'ai l'impression. Ils se le font intercepter. Et ça fait le 4-0. Voilà un champion 4-0. Ça fait du bien. 4 buts, c'est quasiment, on en a jamais mis sur nos 4 premiers matchs de champion. Et voilà. On a mes 80 matchs, Luciano Vietto, qui a sa part du gâteau. Les 3 meilleurs joueurs du match ont marqué les 4 buts. Jackson Martinez, et encore une fois, c'est Luciano Vietto qui met le 5-0, il me semble. Bim! Voilà, Luciano Vietto, mais quel match! Oh là 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 là, ce match! Ce duo offensif Martinez-Vietto, il fait des dégâts pour l'instant. 5-0, et là on va remonter. On va remonter au classement. Là on va reprendre 3 points, ça va nous faire du bien les 3 points. Oh là là, mais qu'il est rapide Martinez! Qu'il est rapide Jackson Martinez! La frappe, elle est contrée, dommage parce qu'elle partait loin. Elle était tellement belle. Ouais, c'était pas exactement là que je voulais la mettre. La frappe et le but d'Oliver Torres, le 6-0. Oh là là, on les a humiliés. On les a humiliés. Quelle humiliation pour l'instant. Ils ont marqué 2 buts chacun, les 3 meilleurs. 2 buts de Torres, 2 buts de Martinez et 2 buts de Vietto. Oh là là là, Oliver Torres, il me fait plaisir là, ouais, honnêtement. Voilà la fin du match. 6-0 on leur a mis. Et on est un champion pourtant. Attendez, voir la difficulté, si on est un champion ou pas, c'est. Attendez, c'est bizarre quand même de gagner 6-0, non? Je sais pas, je vais aller voir la difficulté. Il me semble qu'on avait vu champion quand même au début. Je vais quand même aller dans les paramètres. De difficulté, oui, on était bien en champion. Transfert rejeté. D'accord, donc transfert rejeté. Non, ça c'est pour Thiago, d'accord, ok. Donc au classement pour le coup, regardez, on remonte. On est seulement à 2 points. 1 point, ouais. Et Grenade, ils font une très 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 belle saison pour l'instant de Grenade. Allez, donc Martinez, on va lui mettre un petit entraînement. Oh là 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 là, mais quelle équipe de fou qu'on a là. Là on va casser des gens. Bon, j'ai pas envie de leur faire les entraînements pour l'instant. On va simuler l'exercice avec Jackson. Parce que là vraiment c'est le plus important. Voilà, hop. Ok. Je pense qu'on peut revenir. De Las Palmas Atlético. Voilà. Offre de transfert. Oliver Torres, Jackson Martinez, rejeter l'offre finalement parce que Jackson Martinez je veux le garder. Voilà. Oh, non, non, Oliver Torres il est tellement fort qu'on le rejette. Je suis désolé pour Bilbao. Offre de transfert inacceptable, 5 millions. Si on propose 95 millions, je trouve que ça fait beaucoup pour Lewandowski quand même. Yannou Black et Miranda de retour. D'accord. Ozil. Inacceptable. 85 millions. Donc on va passer sur. On va mettre 88. 84. Hop. Et aussi on va mettre 87. On les prend. Hein, de toute façon, là on va jouer contre ces deux. On va faire dans une prochaine vidéo, les gars. D'accord. Transfert accepté les vendeurs de prime de but faire proposer 240 000. Couleur indiscutable normal. Ok. Donc on accepte également même au club au regard de vendeurs de prime. Pour le coup d'être pas la peine. Les gars à but. Non. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais la tourner à la suite. Pas la tournée à la suite de un petit peu de temps, mais par contre, je pense que quand vous avez vu ce que vous avez vu, ça sera déjà pour notre prochain épisode. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi les amis, c'est par un petit peu de vidéo, ça fait plaisir, mais je vais vous dire à la prochaine. Ciao.